c'est mon retour. Je parlais avec Diplo, genre Titouan. Ok, bon, Twist qui a un gros avantage dans la game, dans ce dash attaque F tilt. Et c'est Tipar. Et c'est Tipar pour les combos d'Elsem, son fameux Ferber qu'il met genre 3 fois par game vraiment. Ah, par contre, Jaspunk quand il fait exploser pour les problèmes de Kazuya. Le grab, aucune correction. Oh, le pari. Et. Oh, il est pas mort la vache. Ouais, non, il avait que 89. My bad. Ok, le bon air. La tech chase. Excellente la dash attack. Encore une tech chase. Oh, le team qui est trop en tech chase. Incroyable. Je ne sais pas le score, mais. Je sens, en fait, je sens que le Sam il peut la remonter. Il faut qu'il trouve une phase. Il faut qu'il trouve un truc. Bon, ça va aller très vite du côté de Kazuya. Je pense qu'il va en prendre une, pas deux. Non, il n'y a pas de Lega ou de Bugulant parce que c'est X-Parry Boy qui le fait, mais qu'il est pas là. Et vu qu'on est tous des plots à Nancy en termes de Lega out, bah, on va se faire foutre. Mais tu devrais être content, il y a un Kazuya. Il y a un Kazuya qui gagne les games. Mais Elsom n'a pas dit son dernier mot. Mais Elsom, tu peux me dire le score s'il te plaît, Bugulant, tant qu'à faire. Mais Elsom, bah, il est chaud. Elsom là, Elsom il a un bon momentum. Hein. Regardez-moi ça, comme il a comeback, il était à 100%. Et il lui restait 2 stacks à twist, et là, c'est even. C'est le B-River, ce side B. Ouh, la bonne roll qui permet de pas se faire toucher par le side B. Oh, c'est la mort. C'est la mort. L'angle de malade mental. C'est très dommage parce que franchement, le comeback qui arrivait. Il y a quoi? Il y a 1-0. Ok, bah il y avait 0-0. Nickel. PS2 C'est reparti, même perso, mais on est parti sur une map différente, on est parti sur une map Animal Crossing, si je dis pas de la merde. On est parti sur Town and City. Les joueurs qui prennent leur temps pour lancer, hein. Nelson qui réfléchit à sa game, au comeback qu'il a failli faire. Et nous sommes partis, j'étais vers Town and City, je ne suis pas encore complètement fou. Et ça commence, tranquillou Blaster, tranquillou Paris, tranquillou le Grab. Ouh, ça aurait pu être le 0, c'est vraiment trop effrayant qu'il se vienne une dinguerie. Oh le père, hein. Vraiment il a trouvé un blaster et après il a fermé sa grande bouche de loup. J'aurais pu dire qu'il a fermé sa gueule vu que c'est un loup. Oh, il vient de prendre le coup où Kazuya se retourne le genou en le mettant littéralement. En fait le neutral avec Kazuya c'est effrayant, genre il court par terre et il fait des trucs de zinzin. Oh bah électrique et le B, voilà. Classique, 0 to death de Kazuya. Mais en plusieurs temps. Ok, un fer. Oh non, il va quand même pas. Il va quand même pas. Oh la vache, 80%. Vraiment, il a mis un fer, il a pris 80%. Une dinguerie. Tout ce manier, il y a trop un Kazuya on point. C'est vraiment un joueur combo, je pense. Bah, après, un Kazuya, un joueur combo, il n'y a rien d'étonnant. Le problème. Elsom qui avait bien tech et qui s'est fait. Voilà, c'est trop triste ce qu'il a fait. Et là, ça va être trop dur à rattraper parce qu'il y a vraiment deux stocks d'avance pure. Oh, le bon shield. Oh, l'excellent shield d'Elsom qui a vraiment dû bien DI le premier donner. Ok, il a bien couvert premier backer, le deuxième a pris la stock. Oh la gentillesse de Twistmania. Non mais c'est trop une dinguerie de faire ça. Il l'a fait, mais en plus, Twistmania, faut vraiment le voir jouer, c'est trop marrant. Son visage est toujours le même. Là, il a fait un truc de zinzin mental, son visage n'a pas bougé d'un trait. C'est trop impressionnant de le voir jouer. Hein. Il est arrivé, il a remis son visage. Mais je te promets, depuis qu'il est sur Nancy même. Depuis qu'il est né. Il est né. Il est né avec le même visage, il ne bouge pas, et il ne prend pas une ride, et il est trop fort au jeu, et il casse des bouches. En fait, il sauve son adversaire pour mieux le clipper, c'est pour mieux te clipper mon enfant. Et le loup va retourner dans la bergerie pour se faire manger par le mouton. Oh, 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 le père. On stockait pas close parce que c'est très très haut. Tain, le team est 3, 2, 1, fini. Voilà. Il attendait que ça va. Il a fait... Jab, jab, coup de pied dans la mâchoire du bon petit loup et brrrré. Et voilà, il se fait casser la gueule tout bonnement. Pikachu est raciste, non? Ah ouais, j'avais pas vu ça. Là, il va se prendre un ban, mais parce qu'il dit que raciste. Tu sais pas comment on ban, toi? Je suis un big menteur.
Ok, bon bah, comme d'hab, Elsa me sort son big rigolé à la dernière Squid Game quand il est dans la merde. Son rigolé qu'il a sorti de situation cadavérique plus d'une fois. En fait, il y a 2 mois quand je venais, il disait ouais, je vais passer solo main wolf et tout machin. Il a sorti 3-4 fois rigolé dans le tournoi. Donc, nous en disions, c'était un big menteur. Mais le big menteur marche très bien parce que bah, son rigolé a joué des tours à des très bons joueurs tels que Chronis, et il va peut-être jouer un sacré tour, un sacré mauvais tour à Twistmania. Twistmania qui est encore en ligne dans la game, il a fait le don-kill trop bizarre de Kazuya. Je peux pas commenter play by play Kazuya parce que je connais pas les attaques genre. Et toi le bon machine, mais je crois que un truc genre c'était à moins de pourcent que l'adversaire, tu sors facilement, je sais pas quoi, j'ai jamais rien compris à ça. Non, c'est pas faute d'avoir des Ridley dans la ville. Quel électrique, quel whiff, mais on s'en fout. On s'en fout, ouais. On se fait casser la gueule. Frère, j'ai tourné la tête, il est mort. Il est lingué de faire ça. Oh le backer qui était trop bien tenté. Oh là, c'est un rigrab. Là, c'est le problème. Mais les problèmes ont été évités par une petite roll. Et le jab-jab. Oh la dinguerie qu'il met. Le jab-jab. Électrique plus tech chase sur la plateforme. C'est con qu'il y ait eu la get-up pour casser le combo. Mais c'est vraiment de la sauce quoi. Et là c'est une stock d'avance en quart pour Twist, c'est-à-dire qu'il est très très bien dans la game, hein, tout le monde. Le B, non, le PR qui vient gratter 10%, mais bon, c'est pas grand-chose. Hein. Bon, il meurt pas parce que Ridley, c'est pas très très lourd, mais ça reste assez lourd. Et là, bon, par contre, voilà. Bonjour, Rage Drive, au revoir la stock du Ridley. Et le F-Til qui va toujours pas tuer parce que bah, Kazuya, c'est comme Ridley. Hein. C'est pas super lourd, mais ça reste vraiment assez heavy quand même. Et les problèmes. Et le deuxième. Oh, il attend un truc. Oh, il était dans sa tête, une dinguerie. C'est con qu'il soit pas retombé sur le blason, sinon il était moelto. Ok, le backer. Le backer qui tue pas, mais le petit pouvoir de Ridley, s'il vous plaît. Le petit pouvoir de Ridley qui est absent cette game, et le regrab. Et le regrab, donc les problèmes. Oh, le biffy. Bon bah, oh là, c'est le problème. Bon, il va revenir quand même parce que c'est rien, c'est Ridley. Mais on n'est pas sorti de l'auberge pour le joueur de Ridley. Pour le joueur Laurent Elson. Oh là 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 là. Moi là, au revoir. Ça y est, là. Les animations sont trop stylées. Voilà, ça va le dire. GG Bayolante, le 3 stock. Bayolante. J'ai lu Bayolante. GG Twistmania, le 3 stock est autoritaire. Le 3 stock est là.